Voici un petit tutoriel pour expliquer comment évaluer les différentes compétences au secondaire. Je tiens à préciser en premier lieu que généralement, on essaie d'évaluer les trois compétences à chacune des étapes puisque c'était l'avantage de l'élève. Il y a trois compétences, donc la C1 juste ici, qui est la compétence interagir en français qui compte pour 40%. Ensuite, la C2, qui est lire des textes variés et qui compte pour 30%. Et la C3, qui est produire des textes variés et qui compte pour 30%. Maintenant, la compétence communiquer peut être faite à l'oral ou à l'écrit avec un interlocuteur. Donc, s'il y a communication, c'est avec quelqu'un. Donc, par exemple, communiquer à l'oral, c'est quand les jeunes font une discussion, par exemple. Et communiquer à l'écrit, ce serait une conversation sur Messenger via Facebook ou sur Twitter où les gens communiquent avec quelqu'un, mais par écrit. Ensuite, on a comprendre des textes. Ça inclut plusieurs choses. Donc, lire des textes variés, c'est comprendre des textes lus, vus et entendus. Par exemple, lire, visionner, regarder et écouter quelque chose compte tous dans la compétence lire des textes variés. Finalement, on a produire des textes variés à l'oral, donc à l'intention d'un auditoire, ou à l'écrit, à l'intention d'un lecteur. Ce qu'on évalue la plupart du temps, c'est à l'écrit, à l'intention d'un lecteur, c'est quand les élèves font une production écrite. Par contre, lorsqu'un élève présente en avant, donc il se prépare, il fait une production orale à l'intention d'un auditoire, ça compte dans la compétence produire des textes variés. Il faut faire très attention parce que si la production que l'élève fait à l'oral est préparée, ça va aller dans produire des textes variés à l'oral. Si l'élève a une discussion, ça va aller dans communiquer à l'oral. Donc, ce n'est pas la même compétence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.